TM. Ah oui. C'est carrément n'importe quoi. Ouais, comme tu dis. J'arrive pas à le croire. Je te comprends. J'arrive pas à croire que t'aies menti pour ta mère. Un pieux mensonge. Un pieux mensonge en quoi? Elle est pas morte, non? Attends, où tu vas? Chercher de l'aide. Non, faut pas. Pourquoi il faut pas? Parce qu'on sait pas jusqu'où il y en a. T'appelles qui, là? Vanessa. C'est qui, Vanessa? Ma femme. Pourquoi t'appelles ta femme? Parce que c'est ma femme. On sait pas jusqu'où il y en a, tu viens de le dire. Je pensais seulement au pub. Oh, ben alors là, tu m'étonnes. J'ai aucune tonalité. T'arrives à voir ça? J'ai toutes les barrettes, mais dans le vide. C'est le réseau, sûrement. Oh, c'est du délire. Tout ça, c'est lié. Voilà pourquoi tout est foireux depuis le départ. Les habitants sont remplacés par ces trucs, c'est pour ça que personne ne nous reconnaît. Basile, Dave, Raimondo. Je trouvais ça bizarre. Shane Hawkins. C'est clair. C'est pas nous qui avons changé, c'est la ville entière. J'ai pas raison, Andy. J'ai raison ou pas? T'as jamais tort. Bon, en attendant, on peut pas rester aux toilettes toute notre vie. 10 bonshommes sont rentrés dans les WC en 5 minutes. S'il y en a aucun qui réapparaît en salle, ça risque de sembler louche. Un guépier. Et c'est pire que 5 corps démembrés, vous croyez? On est à Newton Haven.